Hey, how are you, Minasan? C'est Gunsho. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour l'extension Far Harbor. Donc voilà, donc la dernière fois, je me suis ici, là, j'ai retrouvé la fugitif, on va dire. Donc voilà, donc là, je l'aide à comprendre qu'est-ce qui se passe à peu près avec ces synthétiques. Donc voilà, donc là, mon but, je vais faire les quêtes que j'avais sélectionnées pour faire, on va dire, de le dernier épisode que j'ai fait. Donc voilà. Ok. Je crois qu'il faut que j'aille tout droit pour faire ça. Et je crois que c'est là-bas. Ah, ça c'est pour les trucs. Ok. Ça, je crois que tout droit, c'est pour les ghouls. Je crois que je vais faire ça maintenant. Est-ce que je suis lourd sur moi ou pas, hein? 405 à 505, ok. Bon, ça va, mon armure, ouais. Vraiment joli le patelin quand même, hein. Apparemment ce serait là. Oups. Ah, désolé mécanique. J'ai tiré dans le tas. Je suis vraiment désolé. Je crois que je vais avoir des plaintes contre maltraitance à toutou. Je le sens. Pour ça, je vais prendre mon fusil pompe. J'ai ramassé ça, moi. On va. Ok, donc ça c'est fait. Quel est ce bâtiment? Ça m'a l'air un abri. Ou pas? Non. Enfin, je sais pas. Ça ressemble un petit peu quand même le truc là. Ici là. Ouais, c'est ça, ça va être un abri. Parce que dessous là, il y a un machin avec quelqu'un. Ça devait être un abri. Hôtel Cliff Edge. Apparemment, il y a l'air personne. J'ai un dé. Putain, mais... Matraque.
Sérieux, une matraque. Vous auriez pu donner quand même une arme, hein. Mieux. Du moins une arme. Pour moi, matraque, ouais, c'est une arme, mais voilà quoi, c'est l'arme que tu utilises en dernier recours. Ça, j'en étais sûr, ça. C'est bien mon toutou. T'as un bon petit toutou. Un tournevis. Ouais. Intéressant ce coin là, mais je crois que je vais pas trop traîner. Hein. Ça, ça me met des points sur la map. Il y a de l'argent là. Ça, par contre, je l'oublie pas. Tac, tac. Ok. T'es morte, voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai ramassé ça, bordel. Je crois que je vais transvaser des choses sur mon toutou, voilà, hein. Ah, mon chien. Hey. Hey, reste là. Voilà. Joli. Ben voilà, il y a de la thune partout ici. Ah, je sens qu'il y aura une goule derrière cette ouverture. À tous les coups, il y aura une goule. C'est bon. Même pas. Merde, bonjour monsieur Scabel. Par contre, je crois qu'il y aura des goules qui vont se ramener. Putain, t'es faible. Manger un peu de nourriture pour regagner un peu de machin que je pourrais prendre. Ouais, ça j'en ai plein. Voilà. Il doit y avoir un truc là caché ou je sais pas. Là il y a un truc là, non? On peut pas passer par là? Non, il y a pas un truc. Est-ce
Est-ce qu'on peut passer par là? Pour l'instant j'ai pas de quête, mais je sais pas, peut-être qu'il y aura un truc. En tout cas il y a des ghouls. Ok, d'accord. Headshot, motherfucker! La ghoul, on va dire, toute puissante, s'est fait défoncer en un seul coup dans la tronche. Au revoir. Putain, mais vas-y, les ghouls, elles sont affamées d'objets inutiles ou quoi? Sérieux? J'ai cru qu'il y avait des pièges dans le coin. Eh mais dégage Gollum. Sérieux. Ah j'avais pas vu, il y avait des pièges ici quoi. J'ai foncé comme un dératé. Une cuisine banale. Avec une go banale. Pourquoi j'aurais bien cette spatule de merde là? Matako. Coucou, au revoir. Voilà. Quoi? Du tout tu sors toi? C'est carbonisé. Lui il avait faim lui parce que franchement il est carbonisé mais... Il a du bide hein. Putain, il a du bide. C'est une ghoul qui avait faim et qui a bouffé. Bonjour les ghouls. Au revoir. Les ghouls ici ils ont une couleur assez atypique. Il y a une ghoul là-bas. Tac tac tac. De toute façon là si je passe par là c'est pour descendre en bas donc ça sert à strictement à rien de passer par là. Ok, bon, ben on va affronter cette ghoul là-bas. Eh la ghoul! Ah merde. Ah c'est une légendaire. Ah oh nice nice nice. Oh putain. J'ai un 75 réacteurs. Ouais. Ça c'est pas mal. Oh mon premier laser. Ah mais ça tuise ok. On va équiper ça hein. Le mec. On va équiper ça à l'heure. Ah ça c'est cool. What the fuck. Le pote qui saute toute seule. Ok d'accord. Bon, j'ai un fucking laser gratting. Ça c'est. Bon, je... Ouh. Toi tu dégages. Il est où mon chien? Le mec c'est... Nope. Tu m'auras point. Ah mon canigou. On se roule par terre. Attends.
Non mais... ouais. C'est un peu le bordel, hein. Ouais. Le bordel. Peut-être qu'un jour il faudra que je fasse la cuisine parce que j'ai beaucoup de bouffe sur moi maintenant. Je m'en fous, qu'est-ce que ça donne. On va prendre ça. On va prendre ça. Et maintenant, on va courir. On va charger ça. Merde. Ah, ça consomme ça, ok, d'accord. Ok, je comprends mieux. Mais l'invincible ou quoi cette créature là? Putain. Jambière, métal et cahier. Ouais, j'aime pas trop. Il est pas dur, là. Ces mots, ils sont énormes dans... sur cette île, là, les... les machins. Ils sont assez badass, les super méchants pas beaux, là. Cadavre. De thune, ouais. C'est tout? Je m'attendais à autre chose en fait. Un livre abîmé. En gros, j'ai ouvert une porte, mais il y a que dalle. Ok. En tout cas, je suis redescendu en bas. D'abord avec celui-là. Hein. J'ai cru voir un canigou vitesse super marque 4, ouais.
Yoshi a fait wouhou. Super la musique. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bonjour. Ah ok, je reviens sur la phrase qu'il a dit Robot et j'arrive pas à dire. Bref, quand il dit la blague ou je sais pas quoi là, ou l'humour. Mort de rire quand même, l'humour quand même, n'empêche. C'est un humour assez décalé quand même, je trouve. Machine, ça cheveux, tac 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 tac. Ah, là, il y a un truc, attends, même si je peux pas les casser. Hello. Ah ben voilà. L'abri de 200. Bonjour et bienvenue dans l'abri 118, votre nouvelle maison souterraine. Êtes-vous ouais. Le détective que nous avons fait demander? Hein? What? Pourquoi avez-vous besoin d'un détective? Il y a eu une mort suspecte dans l'hôtel. Nous avons besoin de quelqu'un pour mener l'enquête. Êtes-vous le détective que nous avons fait demander? Ok. Oui, je suis le détective. Oh Dieu merci. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Donc quoi, je suis encore arrivé moi? Quelqu'un mener l'enquête. Nous accueillons de nombreux hôtes importants et ils sont très inquiets. Mais sérieux, lui? Parlons d'abord de ma rémunération. Je peux vous assurer que nos clients disposent d'une somme dédiée à ce genre de situation. Ok, bon. Cherchez des indices sur la scène du crime et nous pourrons ensuite parler de vos découvertes. Ils sont encore sur la scène de crime? Ils ne se rendent pas compte qu'ils risquent de détruire des preuves? Vous feriez bien de me suivre, détective. C'est chelou cet endroit là. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est une scène de crime. Ne voyez-vous donc pas la beauté de la chose? L'art à l'état pur. Des sœurs. Excusez-moi, robot. Plus d'émotion dans cette mort que certains en éprouvent dans toute leur vie. Notre ami est mort, monsieur Avida. N'avez-vous donc aucun respect? Je dis simplement qu'il a au moins eu la décence d'en faire une mort spectaculaire. Si je peux me permettre. Il n'y a rien pire qu'un trépas ennuyeux. C'est j'aimerais comme juste ça un que peu vous d'attention. Vous êtes malade. C'est vous quoi cette chose? Mais un détective est arrivé et va mener l'enquête. Veuillez regagner vos chambres jusqu'à ce que l'inspecteur ait fini d'examiner la scène de crime et vous ait interrogé. Ouais. C'est quoi ce Bronx? Protéger et servir. Cherchez des indices sur la scène du crime et nous pourrons ensuite parler de vos découvertes. Vous pouvez interroger les résidents. Mais leur sécurité reste notre priorité. Alors évitez toute accusation à moins d'avoir des preuves solides. Ouais. On dirait que la boîte crânienne a été défoncée. Est-ce que c'est du sang? Les gens que je me vois contraints de servir ces temps-ci sont de plus en plus merde. Atterrants. Merde. J'ai voulu le... C'était sans le vouloir.
Comment ça va, mon vieux? Alors, mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? Tu sais s'il y a des méchants dans le coin, mon vieux? Ah. Joli. Une batte de baseball. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Vous revoilà, inspecteur. Autre chose? Vos résidents sont des robots? Pas des robots, détective. Enfin, pas vraiment. Je crois que le terme exact est cérébro-robot. Avant la guerre, les résidents ont décidé que la meilleure façon de survivre était de transférer leur cerveau dans des châssis robotisés. Autre chose? Ok. J'ai trouvé l'arme du crime. Oh non! C'est la batte du film de Monsieur McKinney. Vous ne croyez pas qu'il pourrait être impliqué quand même? L'imaginer faire une chose pareille, c'est impensable. Autre chose? Parlez-moi de la victime. Monsieur Ezra Parker était le premier propriétaire et investisseur de l'hôtel. Il possède une solide expérience en gestion de projets financiers d'envergure dans le monde entier. C'est lui qui a incité les clients privilégiés à investir dans la section abri de l'hôtel. Il a travaillé avec Voltec pour le construire selon leurs spécifications. Autre chose? Je ne sais pas trop par où commencer. Vous devriez sans doute trouver comment il est mort, puis qui avait les moyens et le mobile pour le tuer. Quand vous aurez suffisamment de preuves, il faudra sans doute confronter le tueur. Autre chose? Ouais. Ça. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Ok, c'est quoi c'te... Tiens, n'est-ce pas là le long bras de la loi? Dites-moi, êtes-vous adepte des arts? Cette muse cruelle vous a-t-elle attiré dans ses filets? L'art est toute vie. Sans lui, nous ne serions rien de plus que des animaux. Les chiens et les éléphants peuvent étaler de la peinture sur une toile. Qui nous dit que chacune de nos actions n'est pas le dernier soubresaut d'une créature qui n'a pas encore réalisé qu'elle est déjà morte? Venez avec moi. Dites-moi, que vous inspire ce tableau? Tout n'y est que composition. L'équilibre des couleurs et des émotions, et la lutte pour maintenir un ordre intérieur. Absolument. C'est ma dernière toile d'une série de portraits de Gilda. Numéro 1378. Son paysage émotionnel est superposé au portrait. La réalité du sujet est distordue par son ego qui tente de s'y projeter. Par ici. Dites-moi, que vous inspire celui-ci? J'y vois la guerre. Des bombes dans toutes les directions. Pas de haut ni de bas. Le monde est sans dessus-dessous. D'une certaine manière, oui, vous avez raison. L'art modèle le monde, et le monde modèle l'art à son tour. Tout art doit renaître à travers le prisme de la réinterprétation contextuelle et historique. Il faut passer au niveau supérieur. Dans quoi je me suis encore fourré, moi? Ce concentre dansateur me fait peur. Et voilà l'épisode
l'épisode s'arrête ici. Donc voilà, parce que pour les autres épisodes, on va dire, c'était plus d'une heure corde. Donc voilà, je pense que ça va être trop long si je mettais d'emblée une heure pour cette série. Donc voilà, ça c'est l'épisode 158. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc voilà, donc on reprendra la vie guidée de ce peintre de renommée, on va dire, entre guillemets, voilà, dans le prochain épisode dans 2 jours. Donc voilà, donc c'était Gachot, bye bye.